Oui. Les gars, oui. Bon. Oui, parfait. Observeur, donc observeur, vous connaissez, hein, c'est un grand événement qui réunissait la communauté de design autour de produits, de services, où on honorait les créateurs. L'observeur continue à sa manière au travers de ce cycle de conférences qui s'appelle Les Conversations de l'Observeur, qui aura lieu tous les 2 mois, en alternance avec un autre cycle de conférences qu'on organise avec BPI France qui s'appelle Le Grand Taux de l'Observeur, où là on réservait aux seuls membres en fait de la BCI. Il faut bien avoir quelques privilèges quand on est membre, voilà. Et d'ailleurs, la prochaine fois, c'est Armand Atuel qui va venir, donc, grande figure des sciences de la conception, du management et des organisations des entreprises, et qui va venir nous parler de la méthode CECA, parce que c'est l'anniversaire de la méthode CECA, premier anniversaire de la méthode CECA. Et donc, donc c'est la première. Merci beaucoup Gérard d'être le premier, le pionnier de ce cycle de conférences. Merci à vous d'être là. Merci à vous aussi de devenir membre de la PCI. Ça serait cool en fait que vous deveniez membre de la PCI, parce que la PCI a besoin de vous. La PCI se réinvente complètement. La PCI a joué un rôle extraordinaire en France dans la promotion du design, mais le design change, donc la PCI change aussi. Et la PCI a décidé de s'appuyer sur ses membres pour vivre, créer, produire, rayonner, et donc pour ça, le plus on est, le mieux c'est. Et donc, que vous soyez des individus, des entreprises, des agences, des créateurs, il y a de la place pour vous, il y a de la place pour vous dans nos projets, vous allez voir, on en a plein de projets. Et nous sommes ambitieux, et cette ambition, elle s'exprime ce soir au travers de ce cycle de conférences, des conversations, de l'observeur. Donc, merci beaucoup, Gérard, d'être là avec nous. J'ai l'impression de t'entendre. Bonsoir. La question est, où est le design aujourd'hui? Et qui est designer aujourd'hui? Alors, si j'arrive à faire fonctionner cela, la réponse va venir. Je prends n'importe quelle personne dans cette assistance ou dans la rue. Et en fait, j'ai affaire à un hôtelier. Ce monsieur, tout le monde, par son application Airbnb, loue une chambre, les salons. Il fait le travail d'un hôtelier. Ce monsieur peut aussi être un architecte d'intérieur. Voilà, par l'application d'IKEA en réalité augmentée, il choisit ses meubles, les couleurs, les dispositions dans son salon, dans sa chambre. C'est le travail d'un architecte. Mais il est aussi designer d'automobile parce qu'il peut très bien choisir les roues, la carrosserie, les couleurs, l'intérieur, etc. Les sièges, il fait la voiture à la demande. Pour ce type de voiture, il y a théoriquement, parce que 13 800 options possibles. Ce monsieur aussi peut être chauffeur de taxi, il peut faire du covoiturage, il peut vous transporter là où vous souhaitez aller. Et il peut être critique de cinéma. Il a vu ce film, voilà, la presse donne 4 étoiles, et bien lui n'en donne que 3,5. Et quelle est l'opinion qui va être écoutée et suivie? La sienne. Alors ce monsieur aussi peut être un influenceur international parce qu'au travers de tout le réseau, il a des followers, il a des gens qui l'aiment, etc. et qui le suivent. Regardez ce monsieur qui n'a pas l'air spécialement brillant pourtant, mais il se présente toujours avec son toutou sur Instagram. Il a quand même 429 000 personnes qui le suivent. Alors lorsque ce monsieur boit du café L'Or, en montrant bien la marque
C'est évidemment polonais, c'est pas un hasard. Aujourd'hui, le design, les marques travaillent avec les influenceurs. Donc ce monsieur, tout le monde en fait, c'est un designer. Il dessine son environnement, il en décide. Voilà, il peut même envoyer des croquis d'un meuble qu'il souhaite avoir sur cette application. On redessine correctement ses plans et puis on crée le meuble qu'il a souhaité. C'est pas du travail de designer, ça. Vous voyez, alors, c'est une banalité que de dire que le design est partout, tout le temps, avec lui. Mais oui, mais c'est une vérité parce qu'en fait, c'est dans sa poche. Tout cela est dans sa poche. Tout cela est dans votre poche. Et le designer veut suivre. Alors, l'homo sapiens, sapiens, je pense que j'ai envie d'ajouter une nouvelle couche et dire l'homo designus. L'homo sapiens designus. Il a designé son environnement naturel. Il a designé toutes les technologies, il a designé son lieu d'habitation, il designe son alimentation, que lui reste-t-il ? Il designe l'espace. Homo designus, qui est donc l'objet de ce livre dont Dominique a rapidement parlé. Voilà, c'est une sorte de survol pour de réflexions, de questions, peut-être de réponses aussi. Alors, puisqu'on se pose des questions, on peut aussi se dire, mais cela, est-ce vraiment nouveau, ce design-là, le fait de designer, est-ce vraiment nouveau? C'est une question qu'on peut se poser quand on voit d'abord les dessins, qui datent quand même de plusieurs dizaines de milliers d'années, qui sont d'un niveau artistique extraordinaire. Et puis, moi je suis bluffé par cela. Parce que voilà un monsieur, enfin c'est une façon de parler, moi j'ai un monsieur bien sûr, qui taille son outil, qui le taille en fonction de la cible, est-ce que c'est du gros gibier, du petit gibier, lointain ou pas, si c'est pour une madone, ou une femme, un enfant pour se défendre. Et donc il crée l'outil en fonction de tout cela. Et puis une fois qu'il a trouvé que c'était efficace, que fait-il? Il duplique. Plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'outils. On a retrouvé des, entre guillemets, usines de silex taillé. C'est-à-dire qu'il tient compte de la fonction. Bah, il était aussi intelligent que vous et moi. Hein. Il tient compte de la forme. C'est bizarre, le E a sauté. Bon. Et il multiplie sa production. On n'est pas loin du design. Alors quand je vois ceci qui fait que nos ancêtres peuvent être considérés comme étant designers d'une certaine façon. Ceci, cette réflexion, c'est pour donner une sorte de distance, un recul au design. Quand je vois ceci, ça c'est du côté de la région de Lyon, où il y avait vraiment des ateliers considérables qui fabriquaient, vous voyez, ces amphores, ces pots, etc. Destinés aux huiles et destinés aux vins du bassin méditerranéen, donc de plusieurs pays. L'Égypte, la Grèce, Rome, Tunis, etc. Enfin, la France, la Gaule aussi, bien sûr. Donc, et ces gens-là avaient observé que certaines couleurs se vendaient mieux dans certains pays que dans d'autres. Que certaines formes d'amphores conservaient mieux le produit que l'autre. Et donc, ils fabriquaient leur produit en fonction du goût des acheteurs. On peut donc dire qu'il y avait la fonction à la fois de la multiplication, certes, mais il y avait du marketing. Le marketing qui est, excusez les petits décalages, mais ça c'est quand il y a des transferts, ça, il y en aura probablement d'autres. Le marketing c'est le marketing, c'est le marché en action, c'est s'occuper de l'autre. C'est bien ce qui se passe là. Bien sûr, les dimensions de production sont différentes, quoique. Alors, vous voyez, ce design que je montre, c'est un design qui a franchi le temps, et qui prouve aussi que le design a des racines. Alors,
Lorsque on transpose ça au monde contemporain, on voit aussi que les designs qui résistent, vous voyez une DS19 dans la rue à Paris, où vous retournez, vous frappez par sa modernité, par sa allure, etc. C'est, par cet OVNI, toujours OVNI 50 ans plus tard. Et la Porsche, ça c'est la dernière version, mais la Porsche c'est toujours la 911 qu'on retravaille. Donc, vous voyez, ces designs-là qui sont des designs iconiques, sont des designs qui sont proches de formes peut-être très matricielles. Cette goutte d'eau nécessitée par l'aérodynamisme, certes, mais ça n'est pas ça. Lorsque je vais dans le domaine quotidien, alimentaire, quotidien, un petit peu de cosmétique, qu'est-ce qu'il y a? Je vois ici des designs qui ont franchi des dizaines d'années et qui sont toujours d'actualité. On peut se poser la question, tiens, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, vous voyez un carré ici, là vous voyez un carré long, ici vous voyez un triangle, je vais revenir sur le grand écran, ce sera mieux quand même. Alors grand écran, ça doit être par là, voilà. Hop, voilà, c'est bien. Donc ici vous voyez un triangle, je vais revenir, c'est donc là, voilà, le cercle et le triangle. Vous avez les formes primaires. Ce sont les trois formes desquelles tout découle. Le triangle, le carré, et symboliquement, on connaît le sens de tout cela. Donc, c'est curieusement ces produits iconiques, que ce soit industriels, comme on a vu, ou de la grande consommation, s'imposent parce qu'ils ont une forme très basique. Mais c'est cela. C'est pas autre chose que cela. Donc, c'est une réflexion quand même que. En tant que designer, on se pose quand on crée quelque chose au niveau de la forme. Et moi, j'ai été frappé lorsque j'ai vu au décès de Milan. Je constatais que ce qui était mémorisé, ce qui avait choqué, ce qui avait intrigué le public, c'était ce carré long, noir, mystérieux, qui tombait du ciel dans un environnement tout à fait bourgeois. Qu'est-ce qu'il venait faire? Oui, mais... Ça, tout le monde l'a mémorisé. Il n'y a pas que cela qu'on a mémorisé dans ce film, mais tout de même ça, c'est très impressionnant. Et alors, ces objets qui sont aussi iconiques, qui franchissent aussi le temps, ils sont plus ou moins anciens. Ce que vous avez sous les yeux, ce sont des objets qui sont dans les musées. Ils sont tous dans les musées. Donc, c'est pas sans raison, ça. Parce que je vous parle de cela dans le livre. Il y a des réflexions justement sur la forme, sur le fond, sur le beau. Le beau dont on ne parle jamais dans le design. Donc, quelle est la frontière entre le design, les objets design, peu importe leur nature, et puis l'art? Lorsqu'on voit qu'un certain monsieur décide de prendre un objet designé, évidemment en provoquant, bon, il n'allait pas prendre un essuie-glace, mais bon. Et il dit, ben, ça c'est de l'art. Il a posé la question. Qu'on peut donc se dire aussi, mais et face à ce grand monsieur aussi, Philippe, lorsqu'il dessine un chandelier en cristal noir en un seul exemplaire, c'est du design ou c'est de l'art? Vous voyez, la frontière est quand même parfois difficile. Pourtant, je reviens en arrière. Pourtant, pour moi, c'est simple. Le designer, il doit créer en fonction d'un marché, d'une demande, d'une attente, d'un environnement. L'artiste, il doit travailler en fonction de sa vision du monde. Et il ne doit pas être tenu par la rentabilité de la chose. Ça fait quand même une énorme différence. Alors, je vais parler du beau parce que ce sont des beaux objets que je vous ai montrés, des beaux designs, etc. Et je suis toujours surpris, et Dieu sait si j'en ai vu, et j'en vois des briefs. Je ne vois jamais un annonceur qui dit « Faites-moi un beau design ». C'est un mot, c'est l'omerta dans le métier. On n'en parle jamais. C'est honteux. Alors que c'est basique. C'est nécessaire. Ce monsieur, qui n'est pas un poète, hein,
Monsieur Dassault, Marcel, mes avions, quand les gens ils se posaient la question, comment vos avions quand même, quelle efficacité, etc. Hein, tout, c'est des mirages, oui, c'est des mirages. Ils disaient, oui, mais ils volent parce qu'ils sont beaux. Beau étant voulant dire aussi, bien sûr, équilibre, harmonie. On voit ici des... On parle d'un bel objet. On dit beau comme un camion, pourtant dans la vie de tous les jours, on parle du beau. On dit, oh, elle est belle ta voiture, une belle voiture. Hein. On dit également, oh, le beau toutou. Puis on dit un beau garçon, et on peut dire une belle fille. Donc ça fait partie de notre quotidien. Et puis, on peut même aller plus loin. L'on sait que le beau crée le désir. Le design est quand même là aussi pour qu'il y ait une part de désir dans sa réalisation. S'il n'y a que de la fonctionnalité, non, ça ne bouge pas. Et regardez ce philosophe qui dit, ben, et moi je trouve que ça c'est très intéressant par rapport à notre métier, au design, le beau se définit comme la manifestation sensible de l'idée. Donc, nous sommes ici pour traduire une idée, mais il faut qu'elle soit sensible, qu'elle touche l'émotion. Alors, j'ai dit que le design était partout, mais enfin, Dominique l'a également dit dans son introduction, le design est partout, on le voit partout, vous êtes nombreux ici pour en parler. J'ai envie de dire que, oui, au fond, ce sont des images que j'ai utilisées, mais il peut se définir en sous trois formes. Alors, on peut parler du design solide, on peut parler du design liquide, on peut parler du design aérien, gazeux. Je vais être plus clair, bien sûr. Le design solide, bah,